Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Natlan arrive à grands pas et qu'il y aura la possibilité de pouvoir choisir entre tous les personnages du permanent. Donc on aura comme un ticket qui nous permettra de choisir parmi les personnages permanents du jeu. Et donc cette vidéo sera là pour vous guider sur vos choix pour que vous sachiez exactement quel personnage permanent il serait bon pour vous d'avoir. Alors bien entendu, si c'est par affinité, cette vidéo ne vous apportera pas grand chose. Mais si c'est d'un point de vue plutôt méta, un personnage qui vous apportera une vraie valeur ajoutée à votre box, eh bien vous êtes au bon endroit. Donc pour chaque personnage que nous verrons, il y aura des explications fournies, une conclusion par personnage, ainsi qu'une note. Donc la vidéo risquera d'être un petit peu longue. Aussi, si vous êtes un petit peu pressé, vous pourrez directement vous rendre via les chapitres, sur la conclusion des personnages ainsi que la note. Et il y aura aussi pour finir la conclusion finale. Sans plus attendre, voyons les différents personnages temporaires du jeu qu'il sera possible d'avoir. Alors déjà, il y a ces quatre là, Qiqi, Dehya, Keqing et Diluc. Et nous aurons également Tighnari, Mona, Jean. Vous aurez le choix entre ces 7 personnages là, ce qui est plutôt pas mal. Commençons par le début, c'est-à-dire Qiqi. Qiqi est un personnage cryo, épéiste à une main et healer. Voyons tout de suite le fonctionnement du personnage. Nous ne nous intéresserons pas ici à l'attaque normale, nous nous intéresserons par contre à la compétence. Celle-ci permettra d'appliquer un talisman aux ennemis. Ce talisman, grâce à ceci, vous donc déjà vous ferez des dégâts cryo, une fois, mais surtout vous allez pouvoir régénérer les autres personnages de l'équipe en fonction de l'attaque de Qiqi. C'est indiqué, la quantité de PV resterait proportionnelle à l'attaque de Qiqi. Si on regarde dans les détails, on voit le pourcentage de soins en fonction de l'attaque du personnage. Et il y a aussi des PV fixes. Et nous avons également le déchaînement élémentaire qui est là par contre sera très utile, surtout si vous venez de commencer, puisque grâce à lui, vous allez pouvoir soigner les autres personnages en fonction des dégâts subis aux ennemis marqués. Oui, là pour le coup il s'agit d'un très bon healer, puisque du coup les soins que vous allez pouvoir prodiguer à tout le monde seront très importants. Et une dernière chose, mais ça ce n'est pas que elle, quand vous allez élever votre personnage, que vous allez faire passer différents niveaux, vous allez avoir donc un éveil en bonus de soins. C'est plutôt pas mal. Alors ce que l'on peut dire tout de suite par rapport à Qiqi, c'est que elle sera très intéressante pour un débutant, mais rapidement, on va dire qu'elle sera power creep par beaucoup d'autres personnages du jeu. Il y a beaucoup de healers qui feront mieux qu'elle, voilà pourquoi ce sera surtout au début qu'elle sera intéressante et moins par la suite. Déjà parce qu'elle ne fera pas forcément beaucoup de dégâts elle-même et que d'autres feront mieux et qu'à un moment donné, le heal ça ne fait pas forcément tout, ce qui est bien dommage. Donc son arme est relativement simple à obtenir, ce qui est plutôt bien. En plus de ça, elle a une génération de particules qui n'est pas forcément très haute, ce qui fait que du coup son déchaînement élémentaire, on risquera de pas mal galérer à l'avoir, sauf si on a une très grosse recharge d'énergie. Et comme déjà on doit mettre pas mal le paquet sur l'attaque, ce sera pas forcément évident de tout avoir. En termes d'armes, il y a plusieurs possibilités, cela dépendra de comment vous la jouerez. Si vous la jouez plutôt DPS physique, une arme qui portera beaucoup de DPS sera intéressante, sinon il sera possible de la jouer la plupart du temps avec une arme, par exemple celle-ci, l'épée rituelle, ou encore dans certains cas de figure, pourquoi pas, l'épée de Favonius. L'avantage, c'est qu'il s'agit généralement d'armes plutôt faciles à obtenir, qui sont là régulièrement. Et si jamais vraiment vous venez de commencer le jeu, vous avez éventuellement l'épée céleste qui pourra faire l'affaire. Un autre petit détail qui a son importance, ce sont les constellations. Les différentes constellations que l'on aura sur Qiqi ne seront pas folles. Hormis peut-être la C6, malgré qu'elle soit situationnelle, elle peut ressusciter tout le monde d'un coup, si tout le monde est mort. Bon. On va pas dire qu'on servira de ça souvent, mais voilà, c'est à connaître. En soi, les différentes constellations de Qiqi ne seront pas folles. Concernant la note à appliquer sur Qiqi, elle est relativement basse, de 3,5 sur 10. Oui, puisque finalement, vous ne l'utiliserez pas très souvent. Compte du fait qu'elle vous servira davantage au début, qu'elle ne fera pas forcément beaucoup de dégâts, qu'elle est power creep par de nombreux autres healers qui font mieux qu'elle, et qui vont avoir donc une meilleure contribution, qu'elle n'apporte pas réellement de buff aux autres finalement, mais que du soin. Malheureux à dire, mais finalement cela fait qu'elle obtient ici la note de 3,5 sur 10. Prenons maintenant le cas de Dehya. Dehya est un personnage pyro, épéiste à deux mains, de type DPS, et parfois dans certains cas de figure, sub DPS. Le fonctionnement du personnage est très simple. on peut dans certains cas de figure monter son attaque normale, mais c'est vrai que ce qui nous intéressera plus, c'est son skill ainsi que son déchaînement élémentaire, mais surtout son skill, et dans certains cas de figure encore. Comment ça va se passer? En soi, grâce à sa compétence, vous allez pouvoir appliquer sur le terrain un sanctuaire ardent. Grâce à lui, vous allez pouvoir lâcher des dégâts pyro toutes les 2,5 secondes, et ces dégâts seront en fonction de l'attaque et des PV max de Dehya. Et le personnage qui est déployé dans la zone voit également une résistance à l'interruption, donc la compétence est correcte. Et concernant le déchaînement élémentaire, vous allez faire une série de coups de poing à l'ennemi et faire quelques dégâts. Les passifs de dégâts sont plutôt pas mal, sans être incroyables. Le passif, l'un d'entre eux, permettra d'augmenter davantage la résistance à l'interruption lorsqu'on est dans la zone de sanctuaire ardent, ce qui est plutôt bien. Donc on voit que finalement la compétence apporte quand même une valeur ajoutée. Concernant les constellations de dégâts, donc la première sera relativement intéressante puisqu'elle permettra d'augmenter davantage les dégâts plus qu'elle ne peut le faire déjà au départ. Donc c'est quand même un boost assez conséquent. La C2 permettra d'avoir une meilleure résistance à l'interruption encore dans le sanctuaire ardent, donc c'est toujours ça de prix. Et ensuite, les autres constellations seront juste pas mal. En soit, à part peut-être la C6 qui apporte vraiment quelque chose en plus, qui la rend vraiment bien, donc tel un bon DPS durant son déchaînement élémentaire, puisque on pourra mettre des coups de poing plus longtemps. Les armes que l'on peut utiliser sur elle, alors pas forcément ça, hein, mais il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser celle-ci, dans certains cas de figure, oui, effectivement, on pourrait la jouer plus en maîtrise, mais on peut la jouer DPS. Alors c'est vrai que c'est un personnage, pour tout vous dire, que j'ai joué que dans certains cas de figure et principalement que dans des teams monopyro, parce que j'ai trouvé que c'était là que c'était le plus intéressant. Pareil, les artefacts, alors son meilleur set c'est Lueur de Vuru Kasha, ça s'explique, hein, étant donné qu'en 4 pièces, cela permet d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire de 10%, et en plus si on subit des dégâts, cela augmente de 80% pendant 5 secondes, c'est quand même pas négligeable, et cumulable 5 fois en plus, donc oui, en fait ça peut être vraiment pas mal ça, pour elle. Donc pas des stats comme celle-là, il lui faudra plutôt des stats en dégâts crit, taux de crit, et effectivement pas mal de PV et d'attaque, enfin avoir un ratio correct. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que Dehya est forcément mauvaise, mais il s'avère que malheureusement pour elle est power creep par énormément de personnages 5 étoiles, et il y a même certains personnages 4 étoiles pyro qui feront tout aussi bien dans le même cas de figure. Heureusement qu'elle a sa compétence pour la sauver qui lui permettra de jouer dans des teams très spécifiques, notamment avec le brûlure, le dendro, et aussi avec d'autres personnages spécifiques, notamment Ganyu. C'est un perso qui en début de partie pourra être pas trop mal, sans être incroyable, et qui malheureusement, même en endgame, sera toujours pas incroyable. Les constellations sont pas mauvaises, mais comme le perso au départ est pas excellent, malheureusement en fait ça ne justifie pas le fait qu'elle soit bien ou pas, en soi ça va juste apporter du mieux. En plus encore faut-il les avoir ces constellations là. Donc on pourrait dire malheureusement pour elle qu'elle apporte pas grand chose à une box, et c'est un buffer plutôt moyen. Et comme il s'agit d'une épéiste à deux mains, eh bien pour avoir une arme genre DPS, ce sera l'arme du Battle Pass, donc c'est pas free to play, et ensuite les autres armes, ce sera plus des armes telles que celle-ci, des armes prototypes que l'on aura au forgeron, et c'est tout. Il y a peut-être un monde où on peut la jouer avec l'espadon rituel pour sa compétence, mais là je ne peux pas vraiment vous dire. Alors j'ai réussi à atteindre quand même de bonnes performances dans les teams monopyro, mais c'est parce que j'utilise des personnages qui gravitent autour qui sont très très bons. Donc pour la note que j'aurais tendance à donner à Dehya, elle est assez salée de 4/10. À présent, Keqing. Keqing est un personnage de type électro, épéiste à une main, DPS. Nous sommes ici sur un personnage relativement intéressant pour diverses raisons que l'on va voir maintenant. Si on se rend dans les aptitudes, en fait vous allez faire des attaques normales infusées en électro, ce qui explique pourquoi il faut aussi monter les attaques normales. C'est vrai que je ne l'ai pas trop fait ici, pourtant il faudrait. A noter que même les attaques chargées feront des dégâts électro, donc c'est vraiment un personnage relativement intéressant, surtout au début si vous voulez vraiment appliquer de l'électro. Et vous avez son déchaînement élémentaire qui permettra de faire une AOE relativement importante, une grande surface, avec des dégâts plutôt négligeables, faut reconnaître, mais on va pas se plaindre étant donné que l'énergie élémentaire pour pouvoir le faire, son déchaînement élémentaire, est de 40, on n'a pas besoin de beaucoup de particules, aussi son déchaînement élémentaire on l'aura tout le temps. Et le cooldown pour pouvoir le refaire est assez court aussi, donc c'est pas mal. Concernant Keqing, nous avons ici un éveil en dégâts crit. C'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que sur vos artefacts, vous allez pouvoir lui mettre un chapeau en taux de crit, puisque le dégât crit vous en aurez de toute façon pas mal, et ce sera plus facile d'aller chercher du coup les stats offensives en fin de compte. Concernant le set à équiper sur elle, il faudra le set colère du tonnerre, un set électro, Cela s'explique puisqu'il donne déjà 15% de dégâts électro et qu'en plus de ça, toutes les réactions élémentaires que l'on fera augmenteront de 40%, donc les dégâts sur ces réactions et un dégât de suractivation de 20%. Voilà, donc on est sur un set qui est bon pour elle. C'est son set de toute façon. Et faute de mieux, vous pouvez toujours le jouer en 2 pièces tonnerre, 2 pièces gladiateur. Concernant les armes, alors là il y en a toute une flopée. C'est l'avantage des armes et des épées à une main. Vous avez non seulement des armes 5 étoiles qui peuvent être très bien, notamment celle-ci, le Peur de Jade ou même Reflet Tranche Brume, hein, qui marchera très bien. Vous avez également l'épée du Battle Pass. Et si vous êtes free to play, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez notamment jouer avec le Rugissement du Lion, voilà cette arme-là, puisqu'elle augmente les dégâts électro de 36%. Et vraiment, si vous n'avez pas eu de chance et que vous n'avez pas d'arme encore 4 étoiles qui fasse le job, eh bien, il y a d'autres possibilités. Vous avez notamment le Messager de l'Aube. Le seul inconvénient de cette arme, en fin de compte, c'est qu'il ne faudra jamais perdre de PV, donc il faudra la mettre sous shield tout le temps, donc ça peut être un inconvénient. Et après, vous pouvez utiliser ça par exemple, hein, mais c'est vrai que là, du coup, il faudra que les stats offensives, vous alliez les chercher ailleurs. Les constellations de Keqing sont plutôt pas mal, on va pas forcément trop rentrer dans le détail, mais en soi, chacune d'entre elles vous permettra d'être un petit peu plus efficace sur le terrain et de la rendre un petit peu plus forte. Notez que chacune des constellations ne buff personne, c'est vraiment pour elles. C'est des ajouts supplémentaires. Moi, ce qui me pose un petit peu problème en fin de compte, c'est que Keqing n'est pas un personnage qui fait vraiment mal en termes de dégâts électro. On n'est pas comme sur le cas de Shogun avec une C2 qui est relativement puissante, bien qu'on est sur un perso limité, c'est un peu normal, perso permanent pardon. Donc voilà, le souci étant c'est que on augmente du DPS sur un personnage qui n'en a de façon pas énormément, ce qui fait que du coup bah, dans certaines teams électro avec je sais pas moi de l'hydro ou quoi, ça gênera pas grand chose, hormis peut-être avec Chevreuse puisque Chevreuse est exceptionnelle, mais bon merci Chevreuse. Là où en revanche elle aura tendance à briller, c'est dans les teams avec le Dendro. Comme elle a une bonne application électro, eh bien ça ira très bien. Et comme elle fait de bonnes AOE, en plus de ça, forcément ce sera efficace. A noter qu'elle est un peu quick swap. Pas autant que par exemple Navia, mais elle se défend quand même. Alors, conclusion. On est ici sur un personnage relativement performant, qui marchera surtout dans des teams assez spécifiques, notamment avec le Dendro. Les armes qu'elle peut avoir sont assez nombreuses, ce qui en fait donc un personnage assez facile à build. Même les artefacts qu'elle a besoin, cet électro est facile à obtenir et peut servir même pour d'autres personnages, donc on aura aussi un set assez polyvalent. Les constellations de Keqing sont intéressantes, mais ne sont pas god tier parce que elles vont que renforcer le personnage qui n'a pas à la base de gros dégâts, il ne fait pas vraiment très mal, donc c'est un boost sur un personnage qui ne fait pas tant de dégâts que ça. En plus, il y a quelques petits inconvénients. Par exemple, si vous la jouez avec Bennett et que vous avez la C6, en fait, l'infusion pyro de Bennett sera prioritaire sur l'infusion électro de Keqing. Du coup, dans ce genre de cas de figure, ça ira pas, et donc avec Bennett, on pourra pas trop la jouer. Mais on a Chevreuse qui pourra aisément remplacer Bennett, et du coup, ça le fera. Et dans des teams d'endro, bah, on évitera forcément, enfin pas forcément, mais du pyro. Dans ce cas de figure, ce sera pas forcément judicieux. Pour finir, j'aurais tendance quand même à lui donner une note relativement correcte de 7 sur 10. Voyons maintenant Diluc. Diluc est un personnage DPS, pyro, épéiste à 2 mains. Je pense que pour nombreux d'entre vous, vous le connaissez déjà. Diluc peut faire 3 attaques consécutives pyro et peut faire un déchaînement élémentaire AOE du très gros dégât pyro sur une vague ennemie. Et l'avantage, grâce à son déchaînement élémentaire, vous allez pouvoir après faire plein de dégâts pyro avec lui. Donc ces dégâts seront infusés en pyro, ce qui est plutôt intéressant. Concernant le personnage, il a un éveil en taux critique. Ça c'est très très bien. Vous voyez, j'ai pas de stuff sur lui, ni même d'armes qui me donnent quoi que ce soit, et j'ai un taux de crit de 24% de base, nativement. Et ça c'est bien parce que vous allez pouvoir le stuff beaucoup plus facilement. Donc là l'idée de se dire, bah ok, j'ai pas forcément d'armes pour lui qui irait bien, j'ai pas nécessairement l'ossature du dragon, j'ai pas d'armes du coup en TCDC. Bah, étant donné qu'il a déjà 24% de taux de crit de base, vous pouvez du coup vous contenter d'une arme telle que celle-ci, ou je ne sais pas moi, d'autres armes offensives, même en 3 étoiles, comme ça, hein, je veux dire, au début on fait un peu avec ce qu'on a, et on pourra quand même aller chercher des stats taux critiques, dégâts critiques qui soient quand même décentes, grâce aux artefacts. Le set conseillé d'ailleurs pour lui, ce sera le set Sorcière des Flammes, sorcière, donc un stuff pyro, cela s'explique bien, car comme pour le set électro, cela augmente de 15% les dégâts pyro, et lorsque l'on fera des réactions élémentaires comme surcharge, brûlure, bourgeonnement, bah, la réaction, le dégât sera de 40% supplémentaire. et ce d'évaporation est fond de 15%, et une augmentation aussi des dégâts de la compétence, cumulable 3 fois maximum. On notera d'ailleurs que ce set a été fait pour lui, puisque même le bonus final de 4 pièces ira très bien justement avec sa compétence qui met 3 coups consécutifs. Concernant les constellations de Diluc, elles sont ok. La C2 est pas mal, la C4 est intéressante également, et la C6 donc qui peut être aussi également intéressant tant que l'on le joue avec des attaques normales. Parce qu'il y a des cas de figure où Diluc on ne le joue pas autrement. Il y a un monde où Diluc pourra faire beaucoup de dégâts, c'est lorsque l'on fera des attaques plongeantes avec lui. Et il y a justement un personnage dans le jeu, Shang-Yoon, qui lui permet de faire plusieurs attaques plongeantes consécutives et qui permettent donc à Diluc de vraiment briller, plus qu'il ne pourrait le faire en temps normal. C'est un boost relativement intéressant. Malheureusement, il est dépendant donc de ce personnage, donc c'est un peu un problème. L'autre inconvénient de Diluc, c'est qu'il a aussi beaucoup de rivales. Oui, parce que si on prend le cas de Hu Tao, le cas de Arlecchino, enfin le cas, il y a plein de personnages pyro qui feront aussi de très gros dégâts. Et les personnages pyro, il y en a beaucoup. Même Klee pourra pas forcément le surplanter, mais au moins l'égaler, ce qui fait qu'il est évidemment power creep par pas mal de monde. En plus, il ne buff personne, il a une contribution relativement égoïste. Donc voilà, c'est vraiment un personnage DPS bien, qui sera très utile en début de jeu, si vous commencez, parce que quand vous allez faire de l'expo pour le nettoyage, ce sera formidable. Mais plus tard, en endgame, bah, rapidement, vous allez le délaisser et prendre quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il se retrouve avec la note de 5,5 sur 10. Voyons maintenant Tighnari. Tighnari est un archer de type Dendro DPS. Le principe du personnage, c'est que vous allez faire des tirs chargés sur l'ennemi à 3 reprises, et cela aura pour effet de vous donner des particules qui vous permettront de lâcher ensuite son déchaînement élémentaire et faire de bons gros dégâts mono-cibles. Tighnari est un personnage sur lequel il faudra tout augmenter, que ce soit les attaques normales, la compétence et le déchaînement élémentaire. Donc c'est grâce à la compétence que l'on pourra émettre du dendro, donc on tirera à 3 reprises sur l'ennemi, ce qui aura pour effet d'appliquer le dendro et faire aussi des dégâts, et cela nous donnera aussi des particules pour lui, qui nous permettront ensuite de balancer son déchaînement élémentaire mono-cible relativement puissant. Les passifs pour Tighnari sont très bons, et les constellations pour Tighnari sont également très intéressantes. On aura 15% de taux de crit sur les attaques chargées, comme toutes les attaques que l'on fera sont quasiment celles-ci, donc on aura toujours 15%, et lorsqu'on utilisera la compétence, on obtiendra donc un bonus de dégâts d'endro de 20%, qui durera 6 secondes, ce qui est encore pas mal. Et en plus, comme ça suffisait encore pas avec la C4, on va augmenter non seulement la maîtrise élémentaire de soi, mais aussi celle des autres. Et celle-ci pourra encore être augmentée si on fait des réactions élémentaires liées au dendro, comme la brûlure, fleurissement, stimulation, propagation, maîtrise élémentaire. Et en plus de ça, avec la C6, on pourra lâcher un dégât encore plus conséquent. Une flèche fleuronnée infligera un dégât 150% de l'attaque de Tighnari. Voilà, donc on se rend bien compte ici que l'on est sur un personnage permanent vraiment top tier, quoi, c'est... Alors, il y a quand même quelques inconvénients, notons-le, c'est que comme il s'agit d'un archer et qu'il va falloir faire différents tirs à l'arc, donc on sera vulnérable pendant cette phase. C'est pourquoi dans certains cas de figure, ça peut être un must de l'avoir un shield sur lui pour éviter de prendre des coups. Mais si on est relativement agile, il est possible de s'en sortir sans. Donc c'est un gameplay qui peut rebuter, mais après voilà, je veux dire si... vous aimez ce genre de gameplay, là vous pouvez foncer. Les armes sur Tighnari, alors là il y en a beaucoup, et l'avantage c'est qu'en plus il n'est pas nécessaire forcément d'avoir les armes 5 étoiles. Vous avez notamment donc le simulacre d'eau qui ira très bien, surtout si vous êtes proche de l'ennemi. Si ce n'est pas le cas, ce sera un peu moins intéressant. Vous avez bien sûr son arme signature qui sera encore meilleure, celle-ci pourrait également faire l'affaire. Vous avez l'arme du Battle Pass qui pourrait aussi le faire l'affaire du fait qu'elle a du taux de crit. Même ça, à la rigueur, dernier corps pourrait encore fonctionner, bien qu'avoir des stats offensives derrière pourrait être compliqué. Là où par contre c'est top, c'est que il existe des armes 3 étoiles comme le lance-pierre qui augmente drastiquement le taux de crit, même si l'attaque de base est faible. Du coup, les stats offensives seront faciles à avoir, et ça c'est plutôt bien. Et vous avez même cette arme-là, le messager, hein, qui augmente le dégât crit. Plein de possibilités. Les artefacts qu'il faudra mettre sur lui, alors là c'est formidable. Que dire du fait qu'il n'y a pas mieux, surtout en début de partie si vous commencez, pour un joueur débutant par exemple. Vous voyez, bande vagabonde, c'est un stuff que vous allez obtenir à coup sûr. Et d'ailleurs, vous allez en obtenir beaucoup des pièces de ce set. Ce qui fait que vous aurez forcément un set bande vagabonde qui sera très correct. Et donc, il sera facile de stuff votre Tighnari. Heureusement d'ailleurs que l'on a des armes en 3 étoiles avec taux de crit, dégâts crit, puisque Tighnari a un éveil en bonus de dégâts dendro. C'est très bien. Mais du coup, vous n'aurez pas les stats offensives qui seront présentes, donc il faudra aller les chercher. Conclusion, on est ici sur un personnage vraiment très intéressant puisqu'il pourra faire des dégâts mono-cibles conséquents. C'est peut-être même le meilleur personnage mono-cible de la perma. D'ailleurs, ça ne fait quasiment aucun doute. Ses passifs sont excellents. Les constellations sont également très bonnes. Vous pouvez le jouer dans de nombreuses teams tant qu'il y a du dendro. C'est un personnage qui ira très bien si vous commencez une partie, tant que débutant, et qui fonctionnera bien même plus tard. Le seul peut-être inconvénient qu'il a, c'est qu'il faut souvent le jouer avec un shield, surtout si vous êtes dans un lieu où c'est dangereux, où vous allez prendre cher, parce qu'il faudra faire du tir ciblé. Et d'ailleurs, il s'agit d'un gameplay qui peut être un petit peu rebutant, ça se peut que vous aimiez pas trop. Mais en soi, il s'agit d'un très bon perso, voilà pourquoi je lui attribue ici la note de 8 sur 10. Voyons maintenant le cas de Mona. Mona est un personnage hydro, catalyseur, sub DPS. Les aptitudes de Mona. Alors c'est très simple, il n'y a pas grand chose de véritablement efficace chez elle, hormis son déchaînement élémentaire qui lui par contre apportera énormément. Son skill, comment ça se passe? En fait, vous allez lâcher un petit leurre sur le terrain, hydro, que les ennemis vont attaquer, ce qui vous permettra à vous d'être tranquille puisque l'ennemi ne vous focusera plus. Et lorsqu'il va prendre fin, il explosera et infligera des dégâts hydro de zone. Quant au déchaînement élémentaire, alors là c'est un peu particulier, on va appliquer sur l'ennemi un présage, et en soi ce présage, donc en le combinant avec d'autres personnages, en faisant par exemple des réactions élémentaires avec l'hydro ou toute autre chose, vous allez non seulement pouvoir booster les dégâts de vos personnages, mais vous allez également pouvoir faire un dégât assez important avec Mona elle-même, parce qu'elle aussi peut faire mal. Donc c'est vrai qu'il faut mettre le paquet sur le déchaînement élémentaire de Mona pour pouvoir faire le plus de dégâts possible, que ce soit avec elle ou avec les autres. Et en ça, elle est super intéressante puisqu'elle agirait véritablement comme un buffer, un très bon buffer même. Et cela sera très intéressant pour vos personnages DPS. Les constellations. On peut dire qu'ici j'ai eu beaucoup de chance puisqu'en fin de compte c'est jusqu'à la troisième que c'est intéressant. La première qui permettra de faire 15% de dégâts supplémentaires avec les réactions électrocution, évaporation et dispersion, hydro. Éventuellement la deuxième, mais c'est pas la plus intéressante, par contre la troisième augmentera le déchaînement élémentaire. Et oui, donc c'est forcément utile. Les artefacts que vous devriez équiper sur Mona seront anciens rituels royal. C'est logique, parce que si vous prenez pas par exemple Bennett ou un autre buffer, et bien du coup vous aurez non seulement les dégâts des gemmes alimentaires qui seront augmentés de 20%, ça c'est cool, mais en plus de ça, cela va augmenter l'attaque de tous les personnages de l'équipe de 20% et cela durant 12 secondes, le principe du 7 noble. Après un déchaînement alimentaire, notons-le. L'effet non cumulable, c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir deux personnages dans la même team avec ce même set là. Et on peut également la jouer avec l'emblème du destin baisé, c'est une autre possibilité parce que comme ça on aura son déchaînement élémentaire très souvent. Et d'ailleurs déchaînement élémentaire qui sera augmenté selon la recharge d'énergie, je ne sais pas si vous connaissez un peu celui-là mais le principe est le suivant. Cela permet d'augmenter donc les dégâts en fonction de la recharge d'énergie du porteur. Et comme on en aura forcément beaucoup avec ce set, c'est très intéressant. Les armes que l'on peut équiper sur elle sont plutôt nombreuses, donc vous avez Histoire des chasseurs de dragons qui permettra d'augmenter l'attaque de 48% juste après elle, donc cela sera très intéressant pour le suivant, mais vous avez plein d'autres armes qui peuvent fonctionner, la meilleure étant pour elle le mouvement vagabond. Grâce à l'un de ses passifs, vous allez pouvoir faire de tas de très très gros dégâts. Après, il y a quand même quelques petites contraintes avec le personnage, ce sont ses déplacements. Je vous montre tout de suite, si vous marchez pas de problème, par contre si vous dashez, voyez, ça peut être un peu galère, vous attaquez, vous dashez, et puis là vous réattaquez, enfin je sais pas si vous voyez, par exemple vous prenez un autre personnage, on dash, et on revient, c'est pas très pénible, mais là je peux vous garantir que le fait de rentrer, sortir comme ceci, puis de réapparaître, des fois vous savez pas à quel moment vous allez attaquer, il vous faudra un petit temps d'adaptation, surtout dans les moments les plus nerveux, ça c'est plutôt un inconvénient. D'autant qu'en vérité, pour qu'elle soit véritablement efficace sur le terrain, il faudra quand même qu'elle soit pas mal élevée en niveau, donc pour quelqu'un qui démarre au début, c'est pas forcément un super personnage, il vous aidera pas beaucoup, peut-être que vous ne l'aimerez pas, mais sera utile plus tard, donc je ne peux pas vous conseiller de ne pas l'avoir. Conclusion, c'est un personnage qui aura des problèmes peut-être en début de jeu, pour un débutant, mais qui sera très bon en endgame. Son déchaînement élémentaire est exceptionnel, et peut faire de gros dégâts, et apporte en plus un buff qui rendra les autres personnages, notamment vos DPS, plus forts, leur permettront de faire plus mal. Elle est facile à build, et ses armes sont nombreuses, et certaines d'entre elles sont très user-friendly. Les constellations de Mona sont bien jusqu'à la troisième, notamment la C1 et la C3, ensuite beaucoup moins. Du coup, pas nécessairement besoin d'aller chercher au-dessus. Le sprint peut être vraiment difficile à prendre en main et c'est peut-être une contrainte, certains n'aimeront pas évidemment. Et le buff qu'elle peut appliquer, le présage, ne dure pas excessivement longtemps, 6 secondes. Et je peux vous dire que 6 secondes, c'est finalement assez peu. Et c'est dommage parce que, comme il est puissant, on aimerait l'avoir plus longtemps. Après toutes ces informations, on peut donner la note à Mona de 7 sur 10. Et pour finir, voyons le cas de Jean. Jean est un personnage anémo, épéiste à une main, de type healer. On ne s'intéressera pas forcément trop à son attaque normale, parce que c'est pas forcément judicieux. Par contre, son skill peut être intéressant dans certains cas, puisque vous allez pouvoir carrément attraper les ennemis, les prendre, alors pas les gros bien sûr, ça marchera pas, mais les petits, et pouvoir les jeter. Si par exemple il y a des vides, vous pouvez les jeter. Si par exemple vous avez affaire à des exécuteurs un peu solides, vous pouvez les jeter à l'eau, ils peuvent se noyer, et vous pouvez les instants alors qu'à la base ils sont très solides. C'est une approche. Et ensuite vous avez le déchaînement élémentaire qui, alors là, lui est vraiment remarquable, il apportera tellement de choses. En gros vous allez faire un soin de masse à tout le monde, mais vraiment un soin très puissant, et faire aussi une petite AOE anémo qui aura aussi des effets. Et oui, non seulement c'est un heal de masse, on peut voir un peu le pourcentage sur l'attaque qui est carrément cosmique, et en plus de ça vous allez voir que grâce à ceci il y a plein d'avantages. Déjà en plus, lorsque le déchaînement élémentaire prend fin, cela va restaurer 20% d'énergie élémentaire, ce qui lui permettra de pouvoir le relancer assez rapidement, mais en soi ce n'est pas tout, puisque grâce au déchaînement élémentaire, vous allez non seulement pouvoir faire des dégâts aux ennemis qui seront assez importants, mais vous allez aussi, par le biais des constellations, alors oui c'est vrai qu'on passera par le biais des constellations, notamment la C4, je sais que ça fait loin, mais si un jour vous avez la possibilité de l'avoir, c'est exceptionnel, puisque vous allez diminuer la résistance anémo des ennemis à l'intérieur du champ de bris, c'est-à-dire le déchaînement élémentaire, de 40%, c'est quand même beaucoup. Un autre détail à noter, c'est que lorsque l'on aura son passif d'actif, on pourra, en frappant les ennemis, à hauteur de 50% de chance de soigner les autres de 15% de l'attaque de Jean. Donc c'est plutôt bien parce que en soi vous frappez les ennemis, je sais que c'est pas forcément un truc qu'on fait beaucoup. D'ailleurs ça n'est pas forcément nécessaire de monter ça pour autant, hein. C'est juste que grâce à ça, donc ce sera plutôt son attaque qu'il faudra augmenter. Grâce à ça on pourra soigner les autres membres. Et pas un à un, hein, enfin c'est tout le monde, donc c'est toujours bon à prendre. Alors les constellations de Jean justement, venons-en. Donc la vitesse d'attraction et dégâts infligés par le skill vont augmenter de 40% si la compétence reste active plus d'une seconde. Parce que oui, avec elle, vous pouvez faire ça, vous voyez. Je fais la compétence. Vous voyez, je peux la maintenir. Vous voyez, quand je l'ai maintenue, ce qui s'est passé, eh bien, ça, c'est un avantage de la C1. Ce qui nous est indiqué ici. Plus de dégâts. La C2 qui permettra, lorsque l'on ramassera des particules sur le terrain, d'augmenter la vitesse de déplacement ainsi que la vitesse d'attaque de 15%. C'est forcément bon ça. Et au début, on pourrait se dire, ouais, bon, c'est un petit gain. Je peux vous garantir que c'est un gain qui est très intéressant. Et c'est très pratique dans le monde ouvert quand vous allez voir vous déplacer plus vite par exemple. Alors la C4 on l'a vu du coup. Et bien entendu oui effectivement la C6 peut être pas mal, surtout si vous êtes en PLS, parce que du coup vous allez mieux résister aux dégâts de l'ennemi. Jusqu'à 35%, c'est quand même pas mal. Concernant les artefacts, alors moi j'ai fait un peu un Big Mac pour avoir le plus d'attaques possible. Mais en vérité on peut tout à fait la jouer avec le set de la Verte Chasseuse, ça ira très bien. Et comme arme vous avez tout un tas de possibilités, moi je lui ai mis celle-ci. Mais vous pouvez jouer avec l'épée du faucon si vous le souhaitez, vu que c'est de l'attaque de base qui est relativement haute. Reflet tranche brume. Vous pouvez même la jouer avec plus de recharge, telle que l'épée rituelle ou encore, par exemple, l'épée de Favonius. Ça ira aussi très bien. Il y a plein de possibilités. Même l'épée céleste d'ailleurs en 3 étoiles pour également faire l'affaire. Conclusion concernant Jean. On a pu voir que grâce à son déchaînement élémentaire, elle peut soigner tout le monde de manière très efficiente. Que, en plus de ça, en faisant des attaques sur l'ennemi, elle peut soigner aussi tout le monde de cette façon, mais petit par petit. Il s'agit d'un personnage très intéressant pour débuter, et même plus tard, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément qu'au début. Très bon healer. Elle peut balancer les ennemis dans le vide, ce qui peut être utile par moment. Les constellations 4 et 6 sont OP. Elle a un éveil en bonus de soins, même si on l'a pas vu avant, ce qui lui permettra donc d'être encore plus efficace lors de ses soins. Il y a beaucoup de possibilités d'armes la concernant. Elle est assez facile à build. Et donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas, enfin il y a des rivales concernant Jean bien entendu, hein, mais on est là quand même sur un très bon healer. Et c'est aussi un bon buffer dans certains cas de figure, elle apporte vraiment beaucoup. Voilà pourquoi je lui attribue la note de 8 sur 10. Nous savons maintenant que Natlan arrive à grands pas et que nous allons pouvoir avoir ce fameux personnage 5 étoiles obtenu au choix. Et ça c'est incroyable. Mais voilà, il est possible que vous n'auriez pas forcément su qui prendre parmi ces 7 personnages. Donc avec toutes les informations que je vous ai apportées ici, vous avez pu voir la note des différents personnages que j'ai attribués. Et c'est finalement du coup beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide à la lumière de ces informations. D'un point de vue méta, il est très clair que ce soit Dehya ou encore Qiqi, vous pouvez totalement les mettre en quart, n'allez pas les chercher, ce ne sera pas forcément une bonne idée. Que vous soyez débutant ou même après, ce ne sera pas forcément des personnages très judicieux à avoir dans votre box, sauf si vous êtes un adorateur de Qiqi, que vous aimez les personnages de petite taille, les lolis, ou alors que Dehya vous fascine, je sais pas moi, donc éventuellement pourquoi pas, mais sinon d'un point de vue méta, ça vous apportera pas autant que les autres à venir. Les autres à venir, nous aurons donc Diluc et Keqing. Diluc sera un personnage relativement intéressant en tant que DPS sur le terrain, mais malheureusement il a été power creep par énormément d'autres personnages limités tels que Hu Tao, tels que Arlecchino, même Yoimiya en soi, à moins que vous le jouiez dans une team très spécifique avec Shang-Yoon en plunge, mais les trois quarts du temps ce sera pas le cas, donc ça peut être bien en début de jeu parce que vous allez faire de gros AE, un bon nettoyage sur le terrain, mais après pas forcément. Donc vraiment à récupérer si vraiment vous aimez beaucoup le personnage parce que vous aimez son charisme, son style. Mais en soi, ce sera peut-être pas forcément le choix le plus judicieux. Et maintenant, concernant Keqing, pareil, elle arrive on va dire dans la classe moyenne. Keqing sera un DPS relativement bon, mais dans le choix à venir, j'aurais tendance à vous dire de pas forcément aller la chercher parce que, à part vraiment si vous aimez beaucoup son chara design, que vous aimez son style, son histoire, des électros qui font mieux qu'elle, ça existe bien sûr. Hein. Vous avez la Shogun Raiden, vous avez Yae Miko, vous avez même maintenant Chlorin qui fait largement mieux qu'elle. Donc en plus d'être jouée dans des teams un peu spécifiques, elle n'apportera pas autant. Donc j'aurais tendance à vous dire pareil, n'allez pas la chercher. Voyons maintenant les personnages que vous voudriez peut-être probablement avoir. Il y en a trois, Mona, Jean et Tighnari. Ces trois personnages là, je ne peux pas vous dire de ne pas aller les chercher parce qu'en soi, ils vous apporteront tous les trois quelque chose, une valeur ajoutée. Alors oui, il y aura mieux qu'eux sur le jeu. Bien que, en soi, un personnage comme Mona qui fait exactement la même chose qu'elle, pas forcément, mais c'est vrai qu'on aura des similitudes ou alors quelque chose, ouais si, on peut dire qu'il y aura peut-être un peu mieux. Jean étant un healer très performant, mais nous avons également Shang-Yoon qui peut faire un peu mieux qu'elle. Et Tighnari est un personnage d'endro très fort, mais nous avons aussi Alhaitham qui fera probablement mieux, bien que cela dépend. Donc, sur qui est-ce que vous devriez porter votre dévolu? Que ce soit Mona, Jean ou Tighnari? Eh bien en fait, je ne peux pas vraiment vous dire parce que les trois sont relativement intéressants. Cela en fait dépendra surtout de ce que vous souhaitez vraiment. Parce que Mona sera là en tant que support pour booster vos DPS et aussi pour faire des dégâts elle-même lorsqu'elle ne sera pas sur le terrain, donc off-field. Vous avez aussi Jean, qui elle ne sera pas forcément un sub-DPS, bien que dans certains cas de figure, si, ou elle sera même buffer, mais elle sera surtout là en tant que healer, et oh quel bon healer c'est, puisqu'en plus de ça, elle fera des dégâts. Donc si vous n'avez pas vraiment de bons healers, eh bien pourquoi pas Jean, en soi, elle est power creep par certains healers, mais pas par tous, par beaucoup moins en tout cas que ceux qu'on a pu voir précédemment. Et enfin Tighnari, là c'est un DPS. Des DPS sur le jeu, il y en a plein. C'est pourquoi j'aurais tendance à vous dire d'hésiter un petit peu à le récupérer. Mais si vous êtes en début de partie, il vous apportera quand même une grosse valeur ajoutée. Ces dégâts sont mono-cibles, donc sur du multi-cible, passez votre chemin, ce sera pas forcément aussi intéressant. Par contre, pour claquer des boss, là oui, il vous apportera beaucoup, et le nombre de teams que vous allez pouvoir jouer avec lui seront assez nombreux. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous dire d'invoquer soit Mona, soit Jean, soit Tighnari, parce qu'en soi, les choix sont quand même assez nombreux. D'ailleurs, par curiosité, n'hésitez pas à me dire dans le chat quel personnage vous allez aller chercher et pourquoi eux en fin de compte. Moi ça m'intéresserait parce que là je vous ai donné un petit peu mon avis sur ces personnages là par rapport à mon ressenti, par rapport aux différentes informations qui sont données, par rapport aussi au fait que je les ai joués donc plusieurs fois sur le terrain et que j'ai pu un petit peu me rendre compte. Donc voilà, c'est... n'hésitez pas après à me dire et... ça peut être intéressant. Sur ce, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura aidé dans vos choix. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye!